que la faveur de Dieu soit sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire by fire. Serve a dead God. We serve a mighty God who is the same yesterday, today, and forever. Let the favor of God locate you where you are right now in the mighty name of Jesus Christ. Sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire by fire. Yes, we don't serve a dead God. We serve a mighty God. Who is the same yesterday, today? Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te levons au-dessus de tout. Hallelujah, hallelujah. Bienvenue sur notre plateforme, la plateforme de Assez est Assez. Et nous sommes dans le programme de intercession prophétique, la première heure. Hallelujah, hallelujah. Que l'éternel Dieu des armées soit élevé dans ta vie. Hallelujah. Rande bobo yosi kababa yasanda. Bienvenue à Living Word. Bienvenue ce matin à Rose Njiki. Bienvenue ce matin à Louise, Adam, André, Laure. Bienvenue à Didi, à Josette. Bienvenue à Josette Gosset. Hallelujah. Que la grâce de l'éternel Dieu des armées se révèle dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie en ce moment, ce matin, je commence avec cette prière, que là où tu as été bloqué, que le blocage soit brisé dans le nom de Jésus. J'ordonne à ce blocage de se briser maintenant. J'ordonne à ce blocage de se briser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un partage notre vidéo dans le nom de Jésus. Quelqu'un partage notre vidéo. Quelqu'un partage nos vidéos afin de pouvoir toucher un grand nombre de personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur et l'adoration reviennent à notre Dieu, à notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Il n'y a personne comme toi. Lui ne peut s'égaler à toi, ni ne peut se mesurer à toi. Oh Seigneur, nous voulons t'élever dans notre vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de partager ce matin? Alléluia, alléluia. Nous allons partager afin de pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci éternel Dieu des armées. Merci Père pour le nombre de personnes que tu touches. Merci pour le nombre de personnes que tu transformes. Alléluia à travers ce programme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Randa baba ya sendebo. Reseke baya sanda. Rende bobo. Rataka baya sindebo yo sendebo. Lakono boyo sendo. Adebo ya sanda baya shanda. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Roto Kobo Yosoto, Randa Barada Baya Santa. Merci roi des rois. Rendez bobo. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Rabaya Sata. Quelqu'un reçoit sa délivrance ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a été planifié par l'ennemi est actuellement en train d'être bloqué. Alléluia, alléluia. Ils ont planifié te retarder, mais ils sont en train d'être bloqués actuellement dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Kata kabaya sendebo, rendebo boyosi kabaya sanda. Merci éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Personne comme toi, nul ne peut s'égaler à toi. Tu es unique en ton genre, le Dieu d'Abraham. Alléluia, alléluia. Zekabaya sata, randabaya sendebo, rendebo kosi kababaya sanda, randabaya sendebebe, rendebo kosu kabaya sa. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur, personne comme toi, personne comme toi. Est-ce que tu es là ce matin? Il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager dans le nom puissant de Jésus. Rada baba yasada, I want you to share, I want you to share. If you are here this morning and then you can see what is going on, I want you to play your part. Your part is to share, your part is to share. Hallelujah. I want you to share our video in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ramba baba baya sande bobo boyo sika baya sende randa baba ya sanda baya sende rinde boyo soto ko baya sanda rande bobo boyo sike beleke namba ya sanda. In the mighty name of Jesus Christ, roto ko baya sande bolokote randa baba ya sende bobo risaka baba ya sande lande brabo ya sondo riteke bebeke shinda baba ya teka baya sanda. Quelqu'un reçoit sa délivrance ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ta vie a été arrêtée, là où ta vie a été arrêtée, au nom de Jésus, cette vie commence à bouger maintenant. Hey, comment? Cette vie commence à bouger maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un qui me regarde en ce moment. Il règne ou là, ta délivrance commence en ce moment présent, en ce jour d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui est assis sur ton cou, celui qui est assis sur tes épaules et tu n'arrives pas à avancer, j'envoie le feu. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Quelqu'un n'a qu'à partager. Moi, je fais mes partages. Alors, j'attends ce que tu fasses, toi, tes partages. Regarde, dans ce programme, toi, ta part dans ce programme, c'est de partager. Si tu partages, tu auras aussi, regarde, la bénédiction qui vient à travers le programme. Parce que c'est là ta semence. Alléluia. C'est ta semence qui est là. Je t'envoie les prophéties, je t'envoie les paroles de connaissance, les paroles de sagesse et la prière, alléluia, les prières de délivrance. Toi, ta part actuellement, c'est quoi? C'est de partager. Tu vas partager, tu vas toucher un grand nombre de personnes afin de pouvoir transformer leur vie. Tu feras part de celui-là ou de celle-là qui a transformé leur vie. Et ce que je te demande, c'est un minimum de 20 partages dans le groupe que tu connais, dans les WhatsApp que tu connais. Partage, fais tes partage ce matin dans le nom puissant de Jésus. Fais des partages ce matin dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici actuellement, tu fais des rêves ou tu fais l'amour, tu te réveilles le matin, tu es mouillé partout et ça continue. Et cela a commencé depuis très longtemps. Ça a commencé quand tu étais encore jeune. Alléluia, quand tu étais encore plus jeune. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu fais les rêves, tu fais l'amour dans les rêves et tu te réveilles, tu es mouillé, tu te réveilles, tu es sale. Aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Je dis, tu reçois ta délivrance aujourd'hui. Quelqu'un reçoit sa délivrance aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rataka baya sondobo, riana baya sanda. Partage la vidéo. Ne laisse pas la vidéo te passer. Ne laisse pas cette vidéo passer. Il faut la partager afin de pouvoir toucher un grand nombre de personnes dans le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Nous exaltons le nom de notre Dieu. Alléluia. Je regarde les partages. Les partages ne sont pas assez. Alléluia. Il faut partager notre vidéo dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rakabaya sata, rende boko soto, rita kabaya sande bobo, rende boko si kababaya sanda, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un reçoit sa délivrance, quelqu'un reçoit sa percée, quelqu'un reçoit sa délivrance, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Le sorcier du village qui est sur ton cas, le sorcier du village qui est sur ta santé, le sorcier du village qui est sur ton mariage, le sorcier du village
village qui est sur tes études, le sorcier du village qui est sur tes papiers, le sorcier du village qui est contre tes affaires, le sorcier du village qui est contre ton futur, qui est contre l'avancement de ta vie. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu dans le cœur de ces sorciers-là. Au nom de Jésus, toutes les réunions qui ont été faites contre toi, je les renverse, je les renverse, je les renverse au nom de Jésus. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Merci éternel Dieu des armées, merci roi des rois, merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un m'envoie le cœur, quelqu'un m'envoie, dit que, appuie ensemble, dit que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, appuie, dit que. Quelqu'un m'envoie, dit que. Quelqu'un, une autre personne m'envoie 20 partages. Quelqu'un m'envoie aussi les pouces. Ça dit que les j'aime maintenant même. Envoie. Dans le nom puissant de Jésus. Rate boyo sokele, rata kabaya saunde le bokosita, rinde bebe ke shende bobo yasanda, randa baba yasende bobo. Moi je partage parce que je veux aussi ma bénédiction. Alors je partage. Je veux ma bénédiction à travers l'onction qui dans ce ministère, à travers l'onction qui est dans ce programme. Je veux ma bénédiction. Rakabaya sande, rende bokosika, baboya sondobo. Les gens ont commencé à recevoir leur délivrance. Les gens ont commencé à recevoir leur percée. Des personnes qui étaient attaquées dans leurs rêves, des personnes qui étaient bloquées dans leurs rêves, des personnes qui étaient retardées dans leurs rêves, des personnes qui tombaient de l'étage dans leurs rêves, des personnes qui tombaient de la montagne dans leurs rêves, des personnes qui faisaient l'amour dans leurs rêves, des personnes qui se retrouvaient sous les gros arbres, les gros vieux arbres du village dans leurs rêves. Hey, dans le nom de Jésus, ces gens ont commencé à recevoir leur délivrance, leur délivrance, leur délivrance, leur délivrance. Il faut que tu fasses part. Dans le nom de Jésus, il faut que tu fasses part. Rakabaya sendebo, rendebobo yosoki baya sanda, in the mighty name of Jesus. Continuons de partager. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Personne n'est comme toi. Nous voulons t'élever dans le nom puissant de Jésus. Rakabaya sandebo, rendebo kosi kabaya sanda, randababaya sendebobo, in the mighty name of Jesus. Il y a quelqu'un qui me regarde actuellement et qui dit, Seigneur, localise-moi. On n'est pas encore arrivé sur le côté de localisme là, mais mon Dieu te localise déjà. Tu as un problème. Ton problème a commencé dans les rêves. Ton problème a commencé dans les rêves. Tu te retrouves dans les rêves, tu cherchais toilette, tu trouves toilette et tu vas aux toilettes et tu te réveilles, tu es mouillé. Depuis ce jour, tu pisses dans le lit, tu pisses dans le lit, tu pisses dans le lit. La personne me regarde en ce moment. Regarde, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Rakabaya sande, rende bobo, rende bobo, rende bobo. In the mighty name of Jesus Christ. Nous te bénissons, éternel Dieu des armées. Il faut partager. Tu as appuyé sur la vidéo en bas à gauche, au coin du gauche en bas. Il y a un bouton qui dit partage. Voilà. C'est le bouton là que tu appuies. Et puis quand tu appuies, ça te donne la liste des groupes ou bien des personnes avec qui tu es connecté. Et tu appuies ces groupes là ou bien ces personne et tu partages. C'est très simple. C'est comme ça que nous faisons. Alléluia, pour partager. Rakabaya sendebo, rendebo kesi kabaya sanda. Merci éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de paix et de bonté, Dieu de joie et de fidélité. Personne n'est comme toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme notre Dieu? Personne n'est comme le Dieu que nous servons. Il est vivant, il est bon, il est merveilleux. Et je veux parler à une sœur qui me regarde ce matin. Regarde, ton cas que tu traverses actuellement n'est pas un cas terminal. Je veux dire quoi? C'est pas un cas qui va te terminer. C'est pas un problème qui va finir avec toi. Regarde, ta vie change. Ta situation change. Tu es en train d'aller à travers les transits ou bien transition. Tu passes un moment de transition. Mais je veux te dire une chose. Ne sois pas découragé. Je parle à quelqu'un. Je donne un message prophétique à quelqu'un. Ne sois pas découragé. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Regarde, quand Dieu travaille, quand Dieu est en train de travailler, qu'il est très occupé, on ne voit rien. C'est comme s'il n'y a rien. C'est comme si rien de bon est en train de se passer. Mais quand Dieu va finir, ceux-là qui se moquaient de toi seront les mêmes qui vont chercher ton chemin. Je parle à
quelqu'un ce matin, ne sois pas découragé. Dieu, si Dieu arrive à s'occuper des plantes qui sont dans les forêts, hey, toi qui es créé à son image, il s'occupe de toi ce matin, il transforme ta situation. Ceux-là qui ont bouffé ton foyer en sorcellerie, ceux-là qui ont bouffé ton mariage en sorcellerie, et qui fait que tu n'arrives pas à tomber sur des bonnes personnes, qui fait que ta vie sentimentale n'arrive pas à avancer. Je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité. Dans le nom de Jésus, j'ai détruit leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait contre toi, tout ce qu'ils ont fait contre vous, tout ce qu'ils ont fait contre ton foyer, je brise, je brise, je brise, je détruis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je sens l'onction dans ce lieu. Nancy Onia. Je sens l'onction dans ce lieu. Je sens l'onction dans ce lieu. Quelqu'un reçoit sa percée. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un reçoit sa percée. Je vois quelqu'un descendre vers le bas-fond. Je vois quelqu'un descendre vers le bas-fond. Dans le nom puissant de Jésus. Rababaya sada boko. Rababaya sobabaya sada. Rende bebebebe. Robabavo reba rababaya sada. Rende bebebe yesende bo. Randa babaya sada. Rinda babaya soko bayoko barebebebebebe. In the mighty name of Jesus Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donne-moi une seconde. Merci éternel Dieu des armées. Alléluia, alléluia. Merci roi. Zeka baba ya sande bobo. Rende beke sete. Alléluia. Merci éternel Dieu les amis. Je suis en train de lire un commentaire. Quelqu'un qui est en train de faire sa publicité sur mon direct. C'est pas féticheur qui est en train de faire sa publicité sur mon direct. Toi féticheur qui veut faire ta publicité dans mes commentaires. You the voodoo man doing your advert in my live broadcast. I come against you by fire, by thunder. Toi féticheur qui fait tes commentaires à travers moi, mais à travers mon direct actuellement, pour essayer d'avoir les clients, le feu de Dieu sur toi, le feu de Dieu sur toi, toi sorcier féticheur, toi si tu es fort, pourquoi tu n'arrives pas à régler ta situation? Tu vas venir dans mon direct ici pour essayer de tromper et blaguer ces gens qui ont besoin de leur délivrance. Tu es vaincu, je vois ton message encore, je vais te bloquer et je vais te reporter à Facebook. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Alléluia. Les messages, les commentaires que les gens mettent là, ça est ici devant moi, direct. Voilà, je les vois et je les vois et je les vois, je les screen dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui envoie des avertissements pour aller faire des fétiches au Togo ou bien au Bénin. Le feu de Dieu va te poursuivre. Libère ces personnes qui sont en ligne actuellement dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia. Didi, reçois ta délivrance. Didi, reçois ta délivrance. Il faut que les gens parlent de toi cette année. Il faut que les gens parlent de toi cette année. Je ne parle pas de l'année prochaine. Les gens vont parler de toi cette année et les mêmes gens parleront de toi à plusieurs personnes l'année prochaine et les autres années qui arrivent. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta percée. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Je parle uniquement à Didi. Je parle à Didi. Reçois ta percée, ma fille. Reçois ta délivrance, ma fille. Reçois ton réveil, ma fille, que ta vie de prière revienne en marche, que ta vie de jeûne revienne en marche dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Allez, partage. Ne t'assois pas là. Regarde, les gens sont en train de saisir les bénédictions. Regarde, les bénédictions à travers ces programmes que nous faisons en ligne, c'est en partageant.
Est-ce que tu comprends? Tant que tu partages, tu es en train de participer activement à ce programme. Tu es en train de participer activement à l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers ce programme. Tu es en train de participer activement. Est-ce que tu comprends ici? Voilà. Donc, tu partages, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Partage dans tous les groupes. In the mighty name of Jesus Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout. Personne n'est comme toi. Randa baya sende, rondo boko si kabaya sanda. Je continue de faire mes partages parce que moi, je veux ma bénédiction, je veux ma percée dans le nom puissant de Jésus. Rondo boyo si kababaya sanda, rende bekeri yede baya sanda. Reçois la percée, reçois la percée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a eu blocage, soit débloqué. Là où il y a eu blocage, soit débloqué dans le nom de Jésus. Rakabaya sende boroto koboya kota boko senteleya. Regarde, le taux de partage a diminué. Continue de partager. Continue de partager dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partage et touche un grand nombre de personnes. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a été au pied de la montagne des problèmes pendant longtemps. Quelqu'un qui a été au pied de la montagne, ça veut dire dans une vallée pendant très longtemps. Je vais parler à cette personne qui me regarde actuellement. Je vais parler à cette personne qui me regarde actuellement. Tu as été dans le bas-fond pendant longtemps. Ta maman était dans le même bas-fond il y a longtemps. Tes parents, ils ont été dans ce bas-fond il y a longtemps. Et aujourd'hui, toi, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée. Ta vie fait pitié. Ta situation, toi-même, quand tu penses à ta situation, tu commences à pleurer. Quand tu réfléchis à ta situation, tu commences à pleurer. Tu me regardes en ce moment. Tu me regardes en ce moment. Tu me regardes en ce moment. Reçois ta percée. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Fire by fire by fire. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a comme dit fire. Quelqu'un a comme envoyé le feu. Envoie-moi le feu. Envoie-moi le feu. Envoie-moi le feu en commentaire. Je veux le feu. Je veux le feu. Envoie-moi le feu en commentaire. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Moi, j'ai déjà envoyé. Envoie-moi le feu en commentaire. Envoie-moi le feu en commentaire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu vas dire avec moi. Toi, montagne, venant du côté maternel, venant du côté paternel, qui bloque ma vie, qui bloque mon statut, qui bloque mon futur. Toi, montagne, venant du côté paternel, venant du côté maternel, je prends autorité contre toi. Je te chasse. Car Jésus a dit que si moi, je dis à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Toi, montagne héréditaire, déplace-toi by fire, by thunder. Toi, montagne héréditaire, déplace-toi. Je te jette dans la mer. Je te jette dans le feu. Montagne qui a bloqué mon père. Montagne qui a bloqué mon grand-père. Montagne qui a bloqué ma mère. Montagne qui a bloqué ma grand-mère. Regarde, déplace-toi. Evil mountain blocking my view. Evil mountain blocking my future. Evil mountain blocking my life. Evil mountain blocking my destiny. Evil mountain coming from the west, from the mother side, coming from the east, from the father side. I take authority by fire, by thunder. I say be removed, because Jesus said, if you shall speak to that mountain to be removed, that mountain will be removed. I said to the mountain, be removed by fire, be removed by fire. Montagne, sois déplacé par le feu, sois déplacé par le feu dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me regarde en ce moment? Is somebody watching me right now? Est-ce que quelqu'un me voit ce matin? Can somebody see me this morning? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Can somebody hear what I'm saying this morning? Je vais te dire, ton temps de délivrance est arrivé. I just want to let you know, your time, your season of deliverance is here. Receive it by fire, by thunder. Reçois par le nom de Jésus. Reçois à travers le nom de Jésus. Fire by fire by fire. Alléluia. Envoie-moi le message. Voilà, après avoir envoyé le feu, regarde ici, ce qui est là, assez est assez. Envoie-moi le message d'assez est assez. Tu ne dois pas rester assise là. Et regarde, ta vie est là et puis les choses n'avancent pas. Toi, tu
va, tu es attaqué. Tu es attaqué dans tes rêves. Les choses n'avancent pas. Il faut un changement. Il faut une transformation. Il faut un changement. Assez est assez. Je n'ai marre de cette situation. Les femmes qui se lèvent dans le mensonge contre moi. Les hommes qui se lèvent dans le mensonge contre moi. Les couples qui se lèvent dans le mensonge contre moi. Les sorciers qui se lèvent dans le mensonge contre moi. J'en ai assez. J'en ai marre. Assez est assez. Assez est assez. Assez est assez. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. J'envoie la confusion dans leur camp. J'envoie la discorde dans leur camp. J'envoie l'incompréhension dans leur camp. Ils ne vont pas se comprendre. Sur mon cas, ils ne vont jamais se comprendre. Quand ils vont mentionner mon nom, le feu sera ce qui sera leur portion. Quand ils vont dire mon nom dans toutes leurs réunions, le feu sera leur portion. Le feu sera leur portion. Hey, come on. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Is somebody here to pray with me? Is somebody here to pray with me? Est-ce que quelqu'un est là pour prier avec moi? In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Je vais donner une parole à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Je vais donner une parole à quelqu'un dans le nom de Jésus. Rakaba yesen de bokosi kari darote yeshi tale yatanda Madeleine, Madeleine, Madeleine Kwame. Le feu de Dieu arrive sur ton chemin. Madeleine Kwame, je veux que tu sois concentré. Je veux que quelque chose arrive. Je veux que tu sois concentré. Pendant que je tends ma main vers toi, Madeleine Kwame, dans le nom puissant de Jésus, que le feu qui arrive te visite, le feu te visite, le feu te visite, le feu te visite, le feu te visite pour une transformation, pour un changement, pour une transformation, pour un changement dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Est-ce que tu as fait 20 partages? Celle qui a fait ce 20 partages, elle m'envoie ses faits. Si tu n'as pas encore fait, fais tes 20 partages. Celui qui a fait ce 20 partages m'envoie ses faits. Si tu n'as pas encore fait, il faut m'envoyer, il faut le faire. Alléluia, assez est assez. Je dis bien assez est assez. Enough is enough. I say and I repeat. Enough is enough. Assez est assez. Ceci est mon moment. Ce temps est mon temps. Cette saison est ma saison. Il faut déclarer. Quand je parle, quand je dis je parle à ta place. Alors toi aussi, tu répètes la même chose. Cette saison est pour moi. Ce temps est pour moi. Ce moment est pour moi. Cette heure est pour moi. Hey, c'est pour moi. Tout est pour moi. Délivrance est pour moi. Aujourd'hui. Hallelujah. You gotta repeat after me. This is my time. This is my moment. Ceci est mon temps. This is my time. This is my season. The hour is my hour. The moment is my moment. The time is my time. Le temps est à toi. Le moment t'appartient. L'heure t'appartient. Reçois ta délivrance. Tu as trop souffert. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je vois la vie de quelqu'un être persécutée. Je vois la vie de quelqu'un être persécuté. Je vois l'âme de quelqu'un être traînée dans la boue. Je vois l'âme de quelqu'un être traînée dans la boue. Dans le nom de Jésus-Christ. New arrivage, ma fille reçoit. Ma fille reçoit, ma fille reçoit. Ma fille reçoit. New arrivage, qu'est-ce que je vois actuellement en direct? Ton nom a été envoyé chez les marabouts. Je parle de new arrivage. Ton nom a été envoyé chez les marabouts. Ton nom là, ils ont travaillé dessus. Ton nom là, ils ont fait un médicament dessus. Afin de pouvoir te bloquer. Bloquer beaucoup de choses dans ta santé. Afin de pouvoir te bloquer. Bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Voilà pourquoi les choses commencent bien et après tout est gâté. Les choses commencent bien et après tout te ralentit. Les choses commencent bien et après ça va en arrière. Ton nom a été envoyé chez les marabouts pendant un temps de compétition. Je ne sais pas de quel genre de compétition il est question ici, mais je sais que ton nom a été envoyé quelque part et il y a eu un travail qui a été fait sur ton nom et tu connais la personne qui a fait cette chose. Dans le nom de Jésus, ma fille, new arrivage, reçois ta délivrance. Il y a plusieurs personnes qui me regardent en ce moment qui se retrouvent dans la même situation. Le nom a été envoyé sur le féticheur, sur le marabout, sur le malfaiteur, sur le voodoo-man. Bah, mais dans le nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Libère nous à l'ivage et tous ceux qui se retrouvent dans la même situation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer dans la prière. Mais je vais parler de
certains rêves rapidement. Je crois bien, on va finir avec les rêves demain matin parce qu'on va atteindre les 30 rêves. Alléluia. Donc, rapidement, soit avec moi, soit connecté, on demeure connecté dans le nom puissant de Jésus. Rakababa yasata, ri adeboba yosoto kobaye sendele beke sete. Je vois la délivrance de quelqu'un se manifester, la délivrance de quelqu'un se diriger, la délivrance de quelqu'un se diriger vers cette personne en ce moment présent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, continue de partager, ne laisse pas notre taux de partage descendre. Continue de partager. Alléluia, grâce kazeke, grâce kazeke, dans le nom de Jésus, ton nom vient dans mon cœur, ton nom vient et ton nom sonne dans mon cœur, grâce kazeke, dans le nom puissant de Jésus, grâce kazeke, grâce, je te vois persécuté derrière un mur, regarde, de l'autre côté du mur, je vois ta liberté, je vois premièrement ta santé et je vois ta percée situation sentimentale. Je parle de grâce. Grâce à Kazebe. Grâce dans le nom de Jésus. Regarde, soit localisé. So, may the Lord locate you. Grace. I see grace. May the Lord locate you. Grâce. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Et que ces murailles tombent. Ces murailles tombent. J'envoie le feu pour faire tomber ces murailles. Fire by fire. Dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Merci roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on est là? On va parler rapidement des rêves. Et on va rentrer dans nos prières prophétiques. L'intercession prophétique. L'intercession prophétique matinale. C'est-à-dire que très tôt le matin. Alléluia. On va rentrer dans ce moment de d'explication de rêve. Alléluia. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs genres de rêves. OK? Ces genres de rêves-là se divisent dans deux grands groupes. Il y a les rêves qui sont naturels et il y a les rêves qui sont spirituels. Les rêves qui sont naturels sont la continuité de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments, tout juste avant de dormir. Et quand tu dors, ces choses défilent en images dans ton esprit. Ça, ce sont des rêves naturels. Il y a les rêves spirituels. Les rêves spirituels sont des révélations, des messages venant de Dieu. On les appelle des songes. I have told you that there are two kinds of dreams. We have the natural dreams and we have the spiritual dreams. The natural dream is the continuation of whatever was happening right there and then when you were about to sleep. And when you sleep, in your mind, you begin to see those things in images. That's the natural dreams. I'm not talking about them. I'm talking about the spiritual dream. They are revelations from God. Je parle des rêves spirituels. Ce sont des révélations venant de Dieu. Alléluia, alléluia. They are revelations coming from God. Dieu parle. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, au verset 14 jusqu'au verset 18, la Bible dit Dieu parle, Dieu communique, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia, alléluia. Dieu parle, il parle à travers les songes, il parle à travers les visions, il parle à travers les moments où les hommes sont endormis. Alléluia, Dieu a parlé aux gens. Pourquoi est-ce que Dieu parle dans les songes? Pourquoi est-ce que Dieu parle dans les songes? Dieu parle dans les songes afin de pouvoir t'avertir que le chemin que tu veux prendre n'est pas un bon chemin. Il part dans les songes afin de pouvoir te dire, ta bénédiction qui arrive là, le diable veut attaquer, alors lève-toi en prière. Il parle en songe pour te dire, regarde, voici le bon chemin qu'il faut emprunter. Il parle dans les songes pour te dire que, écoute, il est temps de te lever dans le combat spirituel. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Nous allons commencer avec ce premier songe. Un songe où tu perds tes chaussures. Alléluia, alléluia. Tu perds tes chaussures ou bien tu te retrouves avec deux pieds gauche ou bien deux pieds droits. Est-ce que tu m'entends? C'est un songe qui est facile à interpréter. C'est le songe qui veut dire que ton mariage est attaqué. À partir d'aujourd'hui, si tu perds tes chaussures, je ne parle pas de si quelqu'un est en train de marcher pieds nus. Quelqu'un qui marche pieds nus, dans le songe,
hein, ou bien marche un pied dans la chaussure et puis un pied nu dans le songe. J'ai déjà expliqué ça, je crois, bien hier. Alléluia. Aha. Maintenant, aujourd'hui, je parle de... Tu es conscient que tu as perdu ta paire de chaussures. Tu as perdu ta chaussure. Tu as perdu tes chaussures. Alléluia. Ou bien, tu te retrouves avec une chaussure, avec deux chaussures, mais les deux chaussures-là sont les mêmes. Ça veut dire que c'est pied gauche ou bien c'est pied droit. Est-ce que tu m'entends actuellement? Ça veut dire que ton mariage, ta vie maritale est attaquée. Et si tu n'es pas encore marié, ça veut dire que ça fait part du retard dans ton mariage. Le retard pour que tu sois marié. Est-ce que tu m'entends ici? Ça fait part de ta vie sentimentale, des problèmes de la vie sentimentale. Si tu te retrouves avec les mêmes paires de chaussures, ou bien tu ne trouves pas, tu trouves pas les chaussures, ta vie sentimentale est attaquée, ta vie maritale est attaquée. Il faut te lever, rentre dans un moment de jeûne et bombarde pour changer la situation. Celui qui me regarde actuellement, celle qui me regarde actuellement, qui a eu ce genre de songe, ce genre de rêve, et puis leur mariage est attaqué. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Rakabaya Santa. Reçois ta délivrance. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Reçois ta percée. Si tu as été victime de ce songe, reçois ta percée. Si tu as été victime de ce songe, reçois ta percée. Je prophétise une percée dans ta vie. Une percée est prophétisée. Regarde, ma parole ne va pas revenir à moi sans faire ce que cette parole est allée faire. Est-ce que tu m'entends ici? Je parle de la part de Dieu. Ma parole ne reviendra pas tant que cette parole n'a pas manifesté ce qu'elle doit manifester. Alléluia, alléluia. Si tu es victime de cette situation, reçois ta liberté, reçois ta percée, reçois ta percée, reçois ta percée au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je vais voir le oui, papa. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Zeka baba ya sendebo, landrebo yo sode. Riada baba ya sanda baba ya sendebo. In the mighty name of Jesus Christ. Je sens la présence de l'Éternel Dieu des armées ici dans ce lieu. Je sens la saison de délivrance pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Rataka baya sende. Rende bobo boyo suta baba ya sanda. Rende bebe bebe ye shende bobo. Rataka baba ya sanda. In the mighty name of Jesus Christ. Quelqu'un reçoit. Quelqu'un reçoit. Quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit, quelqu'un reçoit. Randa baba baya sanda, quelqu'un reçoit. Dans le nom de Jésus, quelqu'un reçoit. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi. Randa baba ya sanda, rienda baya sende bokosi kababa ya sa. Quelqu'un n'a qu'à partager dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à partager dans le nom de Jésus. Merci Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Alléluia, je suis en train de partager. Si tu veux savoir ce que je fais, alléluia. Randa baba baya sendebo, rende baba ya sandaba, rende boko si kaba ya sanda, rende bori ya baba ya sende, awoyo so po ya sanda, ayo baya kande boyo so, areda baya sanda ya, arede beke sindaba, arede boyo sondaba, arriba baba ya sende bobo. Quelqu'un reçoit sa délivrance, quelqu'un reçoit sa percée, quelqu'un reçoit sa percée. Romba baba baba baba, romba baba ya sanda, rende boko si kababa ya sanda, rende bebe bebe yesende. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Quelqu'un, regarde, ton enfantement a été bloqué. Quelqu'un, je vois, j'ai vu, c'est passé rapidement. Ton enfantement a été bloqué. Mais dans le nom puissant de Jésus, c'est lui qui a attrapé ton enfantement. J'envoie le feu. J'envoie le feu, j'envoie le feu. Ils doivent libérer cet enfantement aujourd'hui dans le nom de Jésus. Sinon, tu vas entendre une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Quelqu'un va mourir si il ne veut pas libérer ton enfantement. Je parle avec sérieux dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta percée,
Reçois ta percée. Robaba Yasanda. Robaba Yasanda. Rida Baba Yasanda. Rende Bobo Yosondo. Rida Baba Yasanda. Quelqu'un reçoit sa délivrance. Quelqu'un reçoit sa percée. Quelqu'un reçoit sa délivrance. Quelqu'un reçoit sa percée. Ronda Baba Yasanda. Rende Bobo Yosondo. Rida Baba Yasanda. Randa Barada Baya Sende. Rida Barada Baya Sende. Ronda Baba Yasanda. Merci éternel Dieu des armées. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Sapoma Aga, tu es béni. Sapoma Aga, tu es béni. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Rakabaya sende boko soto. Ritakababaya sanda. Riande bobo yosonde bore de beke shente. In the mighty name of Jesus Christ. Let the favor of God, the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost be manifested right now. In the mighty name of Jesus. Rakabaya santa. Rende boko soto. Riadababaya sende bobo yosondo. Riadababaya sanda babaya sanda. Rende bebebe yesende boko. Randa Baba Yasanda, in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Le feu du Saint-Esprit. Hey, Louis Adam, you are blessed, you are blessed. People shall talk about you this year. They will talk about you next year because of the favor of God in your life. Je parle de la vie de quelqu'un. On parlera en bon de toi cette année et les années qui arrivent à cause de la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je vais rapidement aller finir avec les rêves et puis on va continuer dans les prophéties. Alléluia. Je sens le feu, je sens le feu. Alléluia. Le prochain c'est quoi? Le prochain actuellement c'est quoi? Rakabaya santa. Rende boko soka baba. Randa baba baba yasande bobo. Le prochain c'est quoi? Nous sommes sûrs. On a dit que ouais, tu paies les chaussures. Regarde ici. Le prochain c'est les rapports sexuels. Alléluia. Tu as des rapports sexuels. Alléluia. Ça veut dire simplement que toi tu es marié en rêve. Ça veut dire que toi tu as un foyer en rêve. J'ai déjà parlé de ça dans un de ces cinq songes. Quelque part. Alléluia. Ça veut dire que tu es marié en rêve. Ça veut dire que tu as un partenaire en rêve. Alléluia. Tu as un partenaire en rêve. L'esprit de femme de nuit a pris le contrôle de ta vie. L'esprit de mari de nuit a pris le contrôle de ta vie. Cet esprit n'est pas bon. Cet esprit est mauvais. Cet esprit va faire que si tu devais te marier dans la vie naturelle, dans la vie physique, cet esprit va chasser l'homme qui devait te marier. Cet esprit va chasser la femme que tu devais marier. Est-ce que tu entends ce que je dis ce matin? Cet esprit n'est pas bon. Il va faire que tes choses ne vont pas avancer. Pourquoi? Il ne veut pas que tu réussisses afin que tu puisses dépendre de lui. Il ne veut pas que tu partes dehors, tu puisses faire les œuvres que tu devrais faire afin que tu puisses dépendre de lui. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia, alléluia. C'est ce que cet esprit fait. Alléluia. Il ne veut pas que tu avances quelque part. Est-ce que tu m'entends ici? Et c'est contre ta volonté. Et dans le rêve là-bas, tu es normalement sa femme, mais ou bien son mari. Regarde ici, regarde ici, regarde. L'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit peut diminuer, réduire le temps que tu devrais vivre. Est-ce que tu m'entends ici? Parce que tu les énerves quand tu es vivant dans le physique. L'esprit de mari de nuit ne va pas vouloir te laisser aller faire les affaires. L'esprit de mari de nuit, si tu étais dans une relation et tu vas voir que l'autre partenaire est attaqué, il est renvoyé dans son boulot, il est frappé par les gens qu'il ne connaît pas, il est giflé pendant la nuit. Et si toi, tu commences à chercher une nouvelle personne ou bien quoi que ce soit, l'esprit de mari de nuit te frappe pendant la nuit. Quand tu te réveilles le matin, tu vois les traces de quelqu'un qui t'a giflé, que ce soit sur ton corps, sur ton visage, tu vois cela. Cet esprit n'est pas bon. Dans le nom de Jésus, il doit être chassé de ta vie. Et si toi, tu es victime de ce genre de rêve, reçois
ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Esprit de Marie de nuit, reçois le feu. Libère la vie de celle-là qui me regarde actuellement. Libère la vie de celui-là qui me regarde actuellement. Esprit impur, toi, esprit de Marie de nuit, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Libère la vie. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais rapidement continuer. Alléluia. Le prochain, c'est quoi? Le prochain, c'est tu perds, on t'arrache les enfants. Alléluia. On t'arrache les enfants pendant ton rêve. On te vole les enfants. Est-ce que tu m'entends ici? Ça veut dire que l'enfant t'a été arraché ou bien les enfants t'ont été arrachés. C'est très simple. Ça veut dire que ton futur, alléluia, ton destin, alléluia, ton destin t'a été volé. Ton futur t'a été volé. Regarde, ça veut dire que ton où tu es en train de partir là, il n'y a même pas chemin là-bas. On t'a volé ça déjà. C'est comme un train qui était sur les rails. Maintenant, le train a déraillé. Le train a déraillé ou bien le train a pris un autre chemin au lieu d'aller dans la bonne direction. C'est ça qui est là. On t'a arraché tes enfants. Ça veut dire que ton futur t'a été arraché. Ça veut dire que ton avenir t'a été arraché. Ça veut dire que où tu vas là, il n'y a rien là-bas. Est-ce que tu entends? Voilà, quand c'est comme ça là, regarde, le futur t'appartient. L'avenir t'appartient. Regarde, le destin t'appartient. Mais comme cela t'a été arraché, dans le nom de Jésus, tu peux réarracher à ceux qui t'ont arraché ce truc. Alors, tu dois te lever dans le programme de prière. Tu dois te lever dans le programme de jeûne et déclarer, je reprends ma vie, je reprends mon destin, je reprends mon avenir. Toi, oh toi qui es sur mon avenir, toi, oh toi qui es contre mon avenir, je déploie le feu contre toi, je déploie le feu contre toi, je déploie le feu contre toi. C'est ce que tu dois dire, je déploie le feu contre toi. Libère mon avenir au nom de Jésus. Ça, c'est la vie de celui dont on lui a arraché des bébés ou bien celle qu'on a arraché enfant. Ça veut dire qu'on t'a arraché ton avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Le 24e rêve, le 24e songe, alléluia, le 24e songe, tu oublies, qu'est-ce que ça dit là? Tu oublies quoi? Tu oublies ta Bible. Tu oublies ta Bible ou bien tu perds ta Bible. Ça, l'explication de ça, c'est rapide. L'onction dans ta vie, la grâce dans ta vie est en train de s'éteindre. L'onction dans ta vie, la grâce dans ta vie est en train de s'éteindre. Quand tu oublies ta Bible, ça veut dire que tu oublies ou bien tu perds ta Bible. Dans le rêve, tu as oublié ou bien tu as perdu ta Bible. Est-ce que tu m'entends? Dans le rêve, tu as oublié ou bien tu as perdu ta Bible. Ça veut dire quoi? Que l'onction ou la grâce qui était dans ta vie, cette grâce est en train de s'éteindre. Est-ce que tu comprends? Voilà une manière que tu peux savoir. Regarde, il y a des gens, quand tu rentres dans un magasin, par exemple, qu'il n'y a pas de clients, écoute-moi bien, une manière que tu peux facilement détecter que la grâce est en train de réduire ou bien est en train de s'éteindre, l'onction est en train de réduire ou de s'éteindre. Tu rentres dans un magasin où il n'y a pas vraiment assez de clients. Pendant que tu es dans le magasin, les clients commencent à venir. Avant de sortir du magasin, les clients seront beaucoup. Et tu comprends. Mais quand tu partais, il n'y avait pas assez de clients. Là, ça veut dire quoi? La grâce et l'onction dans ta vie est très élevée. Maintenant, quand tu rentres dans un magasin où il y a des clients, et les clients commencent à avoir les problèmes, les clients commencent à partir. Est-ce que tu comprends ici? C'est une manière physique de détecter que l'onction, la grâce qui est là, est en train de réduire. Est-ce que tu m'entends? Tu vas dans un marché, un supermarché, tu achètes un pot de plantes. Tu viens, tu plantes à la maison. Le pot de plantes continue de vivre et tout se passe bien. Ça veut dire que l'onction, la grâce est là. Mais le pot de plantes, quand le pot de plantes commence à mourir rapidement, et tous les pots de plantes que tu envoies meurent rapidement, ça montre que la grâce et l'onction est en train de descendre. Alléluia. Donc le rêve que quelqu'un qui oublie sa Bible, quelqu'un qui perd sa Bible, ça veut dire que la grâce est en train de descendre. Il faut rentrer dans les moments de jeûne. Rerun dans les moments de prière.
Rentre encore dans les moments de méditation. Rentre encore dans les moments dans les moments de jeûne, pas de jeûne sérieux. Les jeûnes où tu seras enfermé et personne ne te voit, tu ne vois personne. Tu es là, c'est entre toi et Dieu. Tu dialogues avec Dieu. Avant de sortir de là, tu sortiras avec le feu. Je parle dans la vie de quelqu'un qui a été victime de cela. Sois restauré. Que cette grâce soit restaurée. Que cette onction soit restaurée dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Rêve numéro 25. Ta voiture est gâtée. Ta voiture est gâtée dans le rêve. Rêve numéro 25. Ta voiture est gâtée dans le rêve. Je parle des songes. Ta voiture est gâtée dans le songe. La voiture, en fait, représente ta vie. Alléluia. Dans les rêves, une voiture, elle représente ta vie. Ça peut être une petite voiture, une grosse voiture et tout ça. Chacun a son explication, chacun de ses rêves, de ses songes a son explication. Mais en général, la voiture représente ta vie. Si la voiture est gâtée, qu'elle ne peut pas bouger, ça veut dire que ta vie où tu es là, là, physiquement, tu penses que les choses sont en train d'aller, d'avancer, d'aller dans les bonnes directions. Mais regarde, sur le plan spirituel, tu es stoppé, tu es arrêté. Tu es gâté. Les choses n'avancent pas. Relations n'avancent pas. Santé n'avance pas. Études n'avancent pas. Voyage n'avance pas. Immigration n'avance pas. Relations sentimentales n'avancent pas. Tout est mélangé. Ta vie est stoppée. Ta vie est stoppée. Quand tu rêves et tu te vois dans ta voiture et la voiture est gâtée, la voiture ne peut plus bouger. Ça veut dire que ta vie, la course de ta vie est arrêtée. Elle ne veut plus bouger. La voiture se gâte à cause de quelque chose. Ta vie s'arrête à cause de quelqu'un, à cause des gens qui ne veulent pas. Des mauvaises paroles qui ont été lancées, des incantations qui ont été faites contre toi. Mais je prends autorité by fire, by thunder. Celui ou celui qui a arrêté ta vie, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Libérez la vie de cette sœur. Alléluia. Alléluia. Voilà, je ne vais pas durer sur les songes. Ça, c'est le 25e songe. Demain, on va attaquer les 5 autres. Et puis bon. On va aller dans un autre sujet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me voit en ce moment? La grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu dans ta vie. Oui, je regarde. The favor of the Lord in your life. The power of the Holy Ghost in your situation. Right now, as I'm speaking, receive breakthrough. Pendant que je parle en ce moment présent, reçois la percée. While I'm talking right now, receive your breakthrough. Rakabayo seteke balokandele yakende. In the name of Jesus Christ, Maimouna Kone, tu as trop souffert. Maimouna Kone, regarde à ta vie comme à une vie passée, à un temps passé. Ça veut dire que tu as trop souffert, mais on met ça dans le passé. Je ne vais pas dire que tu es en train de souffrir. Tu as trop souffert. Je parle de ma fille Maimouna Kone. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Maimouna Kone, reçois ta délivrance aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Maimouna Kone, reçois ta délivrance aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Louise Ada, receive your deliverance today. In the mighty name of Jesus Christ. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de certaines personnes ce matin? Il faut dire avec moi, Papa Yahweh, localise-moi. Marie Uriel. Dans le nom puissant de Jésus Christ, Receive. Marie Uriel, tu as une cousine qui ne se porte pas bien, qui est malade. Elle n'a pas déclaré la vraie maladie qu'elle a. Voilà, je parle d'Uriel. Une cousine. Faut prier pour ta cousine. Je ne connais pas son nom, je ne la connais pas. Prie pour elle, pour ne pas que vraiment elle perde sa vie. Prie pour ta cousine, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rakoba yeseteba lotandele yatende, in the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un reçoit la percée. Quelqu'un reçoit cette percée. Reçoit cette percée que tu as entendue pendant longtemps. Reçoit cette percée que tu as cherchée pendant longtemps. Reçoit cette percée que tu as voulu pendant longtemps et elle ne s'est pas manifestée. Reçois-la maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre tous les blocages. Alléluia. On n'a pas assez de temps qui nous reste. Alléluia.
Donc, je vais prier pour toi. Je me lève contre tous les blocages. Blocage de la famille. Blocage de la famille. Blocage de la famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi très bien ici. Rakabaya Sata. Écoute-moi très bien. Regarde, Pharaon est celui-là qui bloquait. Pharaon bloquait les enfants d'Israël. Pharaon était celui-là qui bloquait leur bénédiction. Pharaon bloquait leur percée. Pharaon bloquait leur santé. Pharaon bloquait leur liberté. Pharaon bloquait ce que Dieu a planifié pour leur vie. C'est ce que Pharaon était en train de bloquer. Pharaon est aujourd'hui vivant dans le plan spirituel. Est-ce que tu entends ce que je dis? Spirituellement, il y a des pharaons qui bloquent la vie des gens. Il y a des pharaons qui envoient des montagnes dans la vie des gens. Il y a des pharaons qui envoient des vallées dans la vie des gens. Il y a des pharaons qui envoient des murailles de Jéricho dans la vie des gens et qui fait que cette personne ne peut pas avancer. Je prophétise ta délivrance dans ta vie. Je prophétise ta délivrance dans ta situation. Je prophétise ta délivrance dans ta famille. Je prophétise ta délivrance dans cette maison. Ton mari revient. Ton mari va t'aimer encore. Ta femme va t'aimer encore. Les beaux-parents, vous allez vous mettre en accord. Dans le nom puissant de Jésus, le sorcier qui a envoûté ce foyer, j'envoie le feu. Est-ce qu'on est là? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dis avec moi si tu es là, je suis là. Tu dis, papa, localise-moi, je suis là. Rakabaya Santa. Alors, je vais commencer à terminer. Je suis désolé de laisser plus de 100 et quelques personnes en ligne. Je vais terminer bientôt parce que je dois aller travailler. Voilà, alléluia. Donc, je te conseille d'être là tôt. Demain matin, il faut que tu sois là tôt. On commence à l'heure, une heure dans ces parvis. Hein? On va bombarder, alléluia. La première heure, on va bombarder pour gâter les choses du diable. Faire les gâtements de gâtements. Voilà, on va détruire, on va faire que Satan et tous ses agents vont cogner poteau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Patricia Dorfond, tu es béni. Jacqueline Nguessan, tu es béni. Miss Beraka, tu es béni. Didi, tu es béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni. J'entends le cri d'un bébé. J'entends le cri d'un bébé. J'entends le cri d'un bébé. Ce n'est pas un cri mauvais. Le bébé est en train de crier cri de joie. Le bébé est en train de pousser cri de joie. J'entends cri d'un bébé. Si tu es une maman, actuellement, tu me regardes. Une femme qui me regarde actuellement qui a un problème d'enfantement. J'entends cri de bébé. Cri de joie de bébé, j'entends cri de joie de bébé. Mets ta main sur ton bas ventre. Put your hand on your belly. I hear the cry of baby. I'm talking about joyful cry of a baby. Put your hand on your belly. Mets ta main sur ton ventre. Je prophétise le cri que j'ai entendu, Seigneur, le cri que j'ai entendu. Que cette femme reçoive la grâce d'enfantement. Que cette femme reçoive la grâce de conception. Que cette femme reçoive la grâce du fruit de ses entrailles. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia, alléluia. Alléluia. Voilà, il est l'heure. On va s'arrêter. Et voilà, je prie pour que votre journée soit superbe. Demain matin, il ne faut pas rater. 6h00, on est déçu. Je parle de GMT. Si tu es en France, je crois bien ça fera 8h. Si tu es à Londres, ça fera 7h. Mais l'heure GMT, c'est 6h00. Viens, on va prier. On va clore les 30 rêves mauvais, les expliquer et les bombarder. Est-ce que tu m'entends? Demain à 6h. Maintenant, demain, mercredi, comme vous le savez, on jeûne. On jeûne de 6h à 18h. La prière que tu dois faire pendant le jeûne, c'est toi ton cas. Tu vas prier pour ton cas. Ça, c'est prière numéro 1. Prière numéro 2, tu vas prier pour le programme de « Assez est assez ». Tu vas prier comme une femme intercesseuse, un homme intercesseur. Tu vas prier pour assez est assez, le programme de délivrance et de prière prophétique. Après le jeûne, à 18h qu'on coupe le jeûne,
à 20h, on a le programme d'ACETAC, la prière de feu. On va prier. Jacabayadam de l'Ocosé. Le sorcier n'aura pas la paix. Ça, c'est demain. Alléluia. Alors, je vais vous laisser. Passez vraiment une très bonne journée. Et puis, voilà, ceux qui ont commencé, ceux qui nous ont saisis en plein milieu du programme, vous pouvez rejouer la vidéo. Alléluia. Je vous aime beaucoup. On est ensemble. Bye bye. De Dieu soit sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la délivrance, un Dieu de la restauration, un Dieu de la guérison. Reçois ta percée en ce moment au nom puissant de Jésus. Fire by fire. Yes, we don't serve a dead God. We serve a mighty God. Who is the same yesterday, today, and forever. Let the favor of God locate you where you are right now, in the mighty name of Jesus Christ. Soit sur toi. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu de la vie.